This is not a test. KR, c'est pas là. Bon, Mélie, c'est pas là. La banlieue, c'est pas là. Au nom de Dieu, les gars, comme par hasard, qui vous. Au nom de Dieu, Jeffo. Je fais quoi ici, ouais? Rentre. Le Cora, voilà, fait des trucs de fou, ma gueule. Mais là, en fait, je suis en train de me rendre compte d'un truc, là. Yann, il se fout vraiment de ma gueule. Il fait des guet-apens comme ça. Fais rien. La vache. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi là, frérot, s'il te plaît. Voilà, fais des trucs de fou, wesh. Vas-y. Voilà, frérot, wesh. Trouve les ramener, wesh. Attends. Calmez-vous. T'as vu là, il y a des voisins en haut, ma gueule. Vas-y, lâche-moi, voilà. S'il vous plaît. Wesh, c'est un fou. C'est quoi les histoires? Moi, j'ai fait des mots, j'ai pas beaucoup parlé. Voilà, en plus, il vient et au nom de Dieu, il fait le malin. Moi, je reste assis, j'attends juste qu'il fasse un truc, on verra. Pas beaucoup parlé quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais le gars, attends. Ah, attends. Voilà, c'est un haut. Voilà, c'est un fou. Oui. Ma gueule, frère. Mais voilà, ça. Attends, pourquoi t'es dépressif, lui? Voilà ça. Attends, mais y'a quoi? Il fait dur, mais pas, il se lève comme ça. Et là, où? Wesh, il se lève. Mais attendez, mais c'est un fou, lui. T'inquiète. Au nom de Dieu, c'est parti. Voilà, il m'a chauffé, il a fait le malin. Je dirais que ça va partir en couille, là. C'est tout, là, y'a des voisins, t'es pas là. Attends, viens, mon gars, viens. Mais en fait, lui, c'est vraiment une salope. Il attend qu'il y a des gens pour faire le show, pour lever les bras et tout. Attends, on soit tout seul, t'inquiète. Hey, c'est un endroit professionnel, c'est pas là, la rue. Viens, frérot, on va parler vite fait. Attends. Viens, mon gars. T'es grand, ok, moi, je suis petit. Mais lui, c'est un fou, lui, voilà. La vie de ma mère, heureusement, Yann, il est là. Et qu'il est mature. Ça veut dire, il me prend et il décide de me ramener dehors et on va parler. Tu m'aurais laissé, voilà, je l'aurais tué. Non, jamais les gars, wesh. Je suis pas sérieux les gars, wesh. Ah, ouais, c'est un vrai coup pour une vieille meuf, les gars, wesh. Mais non, voilà, c'est pas sérieux, frérot. Mon Dieu, c'est un ouf, frérot. Ouais, voilà, c'est un fou, frérot, là, wesh. T'as vu, moi, je te connais pas, t'as vu, on se connaît pas personnellement, ouais. T'as capté. On se connaît que sur les réseaux, t'as capté. Ouais. Moi, je vais dire la vérité, Chirina, je suis son compte. Ouais. Je suis son compte TikTok, t'as capté. Je regarde vos messages, je vois, vous faites des lives, tout ça, tranquille. En fait, moi, Chirina, j'ai jamais voulu. Ouais. La gérer ou quoi, t'as capté? On a le même manager, on travaille ensemble, on fait de l'argent ensemble, ça s'arrête là. Okay. Elle, de son côté, t'as capté, il y a plus. Après, je la comprends parce que au tout début, quand on s'est connu, on voulait se fréquenter, malheureusement, ça n'a pas pu, t'as capté. Okay. Là, elle est amoureuse de moi à l'heure d'aujourd'hui. Et toi, tu ressens rien pour moi, je suis pas dans cette optique. Okay. Je suis pas dans cette optique. Chirina, je l'aime bien, c'est une fille que j'apprécie de fou. J'ai besoin d'elle dans ma vie, mais je suis pas dans l'optique de mettre avec elle, t'as capté. Chirina, c'est une personne que j'aime beaucoup. Mais voilà, auparavant il y avait eu déjà une histoire un peu amoureuse, là il n'y en a plus. J'ai décidé de tout couper, donc voilà. Okay. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait su, ça ou pas? Donc en gros, en fait, tout ça là, tout ce que j'ai fait avec elle, tu penses que c'était pour... Frérot, moi je sais pas, t'as dit, t'es un mec. Je voulais t'envoyer un message pour te dire ouais, arrête. Moi, carrément, j'aurais préféré que tu me dises en vrai. Bah, c'est depuis parce le que début. Je m'en fous, frérot. Ouais, parce qu'en vrai, tu t'en fous. Ouais. C'est parce que je m'en fous, frérot, t'as capté? Bah, la vache, Irina, en vrai de vrai, si la vache, il veut la gérer, moi, je vais laisser. Je vais rien dire. T'as vu, c'est. Je vais pas interdire Irina de faire un truc alors que moi-même, Irina, elle m'appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ce que tu veux avec elle, t'as capté? Bah, moi, t'es un mec, je vais pas t'interdire de faire des trucs. Ouais. Si j'ai un truc à interdire, si la personne à qui je dois interdire. C'est elle. De toute façon, je pense qu'on va avoir une vraie discussion parce qu'on a parlé tout à l'heure dans le métro, mais là, je vais avoir une vraie discussion avec elle. Et là, il faut qu'elle me dise la vérité. Ok. Mais toi, au fond de toi, tu ressens quoi pour elle? Moi, je l'aime bien. Tu veux faire quoi avec elle? Moi, pourquoi pas faire un vrai. Ça commence sur les lives. Adapté. Moi, sincèrement, moi, je l'aime bien, moi. Moi, je l'aime bien. Après, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a trop vite coupé les ponts. Et là, comme tu m'as dit, qu'elle ressent, c'est pas, c'est bizarre. En fait, j'ai l'impression, comme t'as dit, j'ai l'impression qu'elle kiffe, frère. Faut se dire la vérité. Okay. Parce que tout le temps, il y a. En fait, c'est toujours par rapport à toi, frère. Faut dire la vérité, gros. La vache, honnêtement, je le comprends totalement. Lui, il est tombé dans le panneau de Chirina. Voilà, Chirina, elle a joué clairement avec lui. J'ai son compte TikTok, je vois pas mal de messages, pas mal de trucs, c'est un peu ambigu. Il est tombé dans le panneau. Malheureusement. Il y avait Chirina, ouais. Après il y avait Sarah, t'as capté. Ouais. Avec Sarah, il s'est passé ce qui s'est passé, t'as capté. Ouais. Alors déjà, on se calcule plus, t'as capté. Ouais. Chirina, elle est là, mais moi, je la calcule plus, t'as capté. Ouais. Et vas-y, pour moi, c'est une meuf, elle me prend trop la tête.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'amour. Et elle, c'est ça qui l'intéresse. C'est pour ça que de ma vie, je l'ai éjecté, on va dire. Okay. Maintenant, je vois que vous vous rapprochez, tout ça. Elle a pris le seum. Je te le dis clairement, elle s'en bat les couilles de ta vie, frérot. Ah, elle a joué avec moi en mode. Elle a joué avec moi. Vas-y, tranquille. Ou non. T'as vu là, au moins là, tu me parles français. Là, au moins, tu me parles français. Elle m'a dit, elle s'en fout de ta vie. Des fois, je la vois hors caméra, t'as capté. Ouais. Je snap pas, je fais pas TikTok, rien. Des fois, je la vois, c'est vrai. Elle s'en fout de ta vie. Donc, en gros, j'ai parlé avec Shirina. Et en fait, elle m'a vraiment pris pour un con. Elle. Parce qu'en fait, là, Yann me dit tout le contraire. Et là, je commence à voir rouge dans ma tête. Maintenant, votre histoire, toi et Djeko, elle est partie trop loin. Non, lui il va voir, lui, je m'en fous de lui. Voilà. Lui, il va voir, lui. Tu le courses avec un couteau. Ouais, clairement, c'est un ouf, lui, il fait trop le mal. Ouais, je suis allé dans sa ville et tout. Ils me disent, pétain mes chaussures, gros, lui, il est fou, quoi. Ouais. Il est venu dans ma ville, j'ai juré au slash direct, frère, c'est un fou, lui. Avec Djeko, c'est simple. La dernière, elle a fait le malin sur les réseaux, il a commencé à me tacler et tout. Et là, j'ai vraiment envie de le niquer. Il va voir, lui, de toute façon. C'est une question de temps. T'as pas besoin de couteau. What, frérot, t'as pas besoin de couteau. Et en plus, apparemment, t'étais avec un pote à. Ouais, j'avais un pote à moi, ouais. T'as pas besoin de couteau, frérot. Ça veut dire là, c'est quoi, t'es dans quel objectif avec lui, là? Parce que moi, je te dis un truc, hein. Votre histoire, là, les gens, ils pensent que c'est pour le buzz sur les réseaux, là. Mmh. Vous faites des vues, des trucs, les gens, ils pensent que c'est pour le buzz. C'est la réalité, frère. Non, j'avoue, au début, on jouait un petit peu, lui et moi. Mais la vie de ma mère, elle a vraiment fait le malin en mode. Qu'il me tacle. J'ai juré, maintenant, si vraiment il fait le malin, ça se la fout de gros. Fin, wesh. Mais frérot, t'as pas besoin de te filmer. Couteau, là, demain, là, les gens, ils voient que tu courses avec un couteau. Mais tu crois, les gens, là, ils vont te voir, ils vont te faire quoi? Eh, la vache, viens voir. Attends, tu courses avec des couteaux, toi? Eh, les gars, venons le faire. Ça va finir comme ça, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. T'es plus malin, t'as capté. En plus, toi, à côté, tu fais du foot, toi. Ouais. Qu'est-ce que tu vas te mélanger avec des couteaux sur les réseaux, frère? Ouais. Non, c'est vrai, faut se dire la vérité. Les gens me connaissaient parce que je faisais du foot et tout. J'ai salé un petit peu mon image par rapport au foot. Ça, j'avoue. Mais là, ce que Djeko, il a fait, j'ai juré, il a trop fait le malin en mode. Il m'a trop taclé. Donc, on verra. Non, ce que tu dis, t'as raison et tout. Moi, je te dis la vérité. Mais en vrai, il m'a foutu la haine. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça, frère. Frérot, je te dis la vérité. Votre histoire, elle est bien. Moi, j'aime bien. Moi, je suis le move, t'as capté? Ouais. Je suis un peu perdu. Ne vous abusez. Donc, là, en gros, là, faut que je parle avec lui un peu, quand même. Parle avec lui. Votre histoire, elle va aller nulle part. Là, tu cours avec un couteau, c'est drôle, vous prenez des abonnés, vous faites des vues, tout ça, à la fin, vous gagnez quoi? Non, rien, frère. Putain! Si demain, tu veux quitter les réseaux, tu vas les taffer, là. Tu vas faire comment? Ça va être bizarre, un peu. Hein. Ah ouais, faut voir de ce côté-là, frérot. Et Shirina, je t'ai dit, hein, ça sert à rien de penser à elle, frérot. Tout ça là, c'est à cause d'elle. Moi, j'ai. De toute façon, elle va avoir une discussion avec elle. Je suis obligé. Bah oui. Je suis obligé d'avoir une discussion avec elle. Non, tout ce truc là pour Shirina. Elle m'appelle tous les soirs, elle m'envoie des pavés, des trucs, des choses. Pour une fille comme ça. Non. Bah quoi, elle me dit des bonnes nuits secs, laisse tomber, frère. Bah, en fait, hein? Ouais, elle m'envoie des bonnes nuits, des bonnes nuits avec un point et tout, frère. Toi, elle doit t'envoyer, je sais même pas, elle doit t'envoyer quoi, toi, frère. Ah, toi aussi, elle t'envoie des bonnes nuits, des trucs, des choses. Qui t'a dit de. On vous a dit de ne pas parler avec des métisses. Et puis vous n'écoutez pas. Voilà. Voilà les conséquences. Ah, vas-y, vas-y. Tu mets tes tensions de côté, vas-y. T'as eu quoi, je t'ai. T'as eu, j'étais pas mal parlé. T'étais, je suis pas venu pour. Non. T'as capté. Non, voilà. Même si Shirina fait des trucs chelous, t'as capté. Bon, là, Yann, il m'a bien briefé. Et là, on décide de rentrer dans le barbeur. Hey, Djeko. Là, je finis de parler avec la vache. Du coup, je décide de ramener Djeko. Conversation à 3. Arrête. Viens voir vite fait. Va écouter ce que tu veux. Viens vite fait, on va parler. Je sais pas si je vais me contenir. Ouais. Viens la vache, comme toi, carrément, c'est mieux. Ouais. Venez, les gars. Tranquille. Et là, il y a des voisins, faut pas parler trop fort, ça. C'est genre, viens, on va dehors. Oh, toi, je t'ai déjà parlé, mais tu connais, tu es comme une personne. En vrai, les gars, Djeko, t'es mon frérot. Ouais. Ça sert à quoi, en vrai? T'es là, à partir du moment où il sort une arme, il n'y a plus de marche en arrière. Moi, c'est tout. T'es là, je vais rien faire parce que voilà, je respecte, je suis dans vos délires, nan. Mais t'inquiète. T'inquiète quoi, ouais? Je parle plus, moi, t'inquiète.
Il rigole pour quoi? Doucement, frérot, t'as eu, wesh. Yann, t'as vu ou pas? Y'a des. Sois un peu mature. Mais là, j'ai fait quoi? Là, je suis assis, je parle calmement. J'ai pas crié, j'ai pas insulté. Posé, les frères, wesh. En fait, là, le problème, c'est quoi? Yann, je vois, il part d'une bonne intention en mode, il veut essayer de nous réconcilier, etc., etc. En fait, le problème, c'est quoi? C'est à partir du moment où tu sors un couteau et t'es accompagné de quelqu'un, il n'y a plus de machine arrière, c'est fini. C'est-à-dire, là, je l'écoute, mais sans plus. Là, vous avez rien à vous dire, là. J'ai rien à lui dire, wesh. D'ailleurs, tu l'as coursé avec un couteau. Toi, t'es venu dans. Tu l'as volé ses chaussures. Elle coûte combien ta paire? Je sais même pas, ouais. 700, 800 chers. 700 euros Moi j'ai pris Scalab dessus. Ah putain, les petites bobos, je suis vraiment dégueulasse, wesh. Ils ont pris ses chaussures. Nous on a fait le bénéfice derrière directement, tu connais. Thomas, regarde, t'as vu? Attends, il y a un problème les gars, wesh. Faut faire le bénéfice. Mais faut faire un bénéfice, frérot. C'est important, wesh. Tu connais. En fait là, je commence à bouillonner. Parce qu'en fait, ils continuent à se foutre de ma gueule. Alors que j'essaye de prendre sur moi. Mais là, en fait, là, je commence vraiment à bouillonner. Ça ronfle, wesh. T'as vu ou pas? T'as bossé Amazon, frérot. Sur la tête de ma mère, je regrette pas d'avoir coursé avec un couteau. Et s'il faut recommencer, je vais recommencer, gros. Doucement, frérot, doucement. On est là. Il menace. Attends, en fait, lui, il me fait rire, c'est rigolo. Il est là, il menace, mais de tout ce qu'il dit là, je prends absolument rien au sérieux. Parce que s'il voulait vraiment faire un truc, là, il y a que Yann. Moi, je suis là, je suis assis, lève-toi uniquement. Et là, pour s'expliquer. Non, ça, c'est une épreuve de Dieu. Oh là là. Mais ah, de Dieu, frère, tu parles de couteau, tu mets des cagoules, tu parles de Dieu, wesh. Elle a la cagoule, elle a servi à rien, t'inquiète, elle va servir dans pas longtemps. En fait, tu veux rester sur tes gardes. Eh hey frérot, moi je t'ai dit, à partir du moment où tu sors un couteau, il n'y a plus de machine arrière, c'est fini. Moi je fais plus que tu restes sur tes gardes. Moi je reste sur mes gardes, frère. Mais comment, ouais, il fait le malin là? Alors que moi, attends, en vrai j'aurais pu mettre mes records de côté en vrai. Mais comment il fait le malin là? J'ai juré. Wesh, frère, il bégaye, wesh. Il se fait électrocuter ou quoi? Ah ouais, c'est une dinguerie, wesh. En fait, la situation me fait rire. Parce que là, je suis debout, Jeffo il est assis, la vache il est assis. J'ai l'impression de parler avec deux gamins. T'inquiète frérot, hein. T'inquiète, je vais pas te taper, attends, t'inquiète. Attends, c'est simple. Moi je vous ai ramené là. T'as capté. Toi je t'ai ramené, t'as capté. Tu voulais une canette. Ouais, t'as je veux ta une canette. Je vais te laisser partir, t'as capté. Ouais. Et toi frérot, comme je t'ai dit, avec Shirina, ça sert à rien. Tu vas te mettre des bâtons dans les paires. Shirina, elle a fait des dégâts. Ah non! La pacate là, elle a fait des dégâts, les gars. Wesh. Donc là, l'histoire, elle part de Shirina. Les deux, ils voulaient Shirina. Et au final, ça s'est passé entre eux. Maintenant, ça se trouve, ce couteau, ça vole des chaussures. Non, Shirina, elle a fait des dégâts, les gars. De toute façon, on va avoir une discussion avec elle, de toute façon. Voilà. Bref. De toute façon, Taïla, là, moi, ça va rien de parler. Viens, je te raccompagne. Ouais. Tranquille. Ouais, j'ai pas parlé avec lui. Je te laisse aller voir Shirina. De toute façon. Donc là que je te revois plus, mon pote, voilà, je te dis. Attendez. Il vient de me menacer là. Il a rien compris. Oh là, il a rien compris. J'ai chaud, ton poteau. Hein. À cheval, hein. Ouais, le bon vieux crouton. La vache. Attention, il y a un coup, il a un opilène dans la sacoche, fais Bélec. C'est tranchant, c'est coupant. Vas-y, c'est mieux, je parle pas avec lui. Aussi, là, il continue à faire le malin là. Je vais même pas parler, je vais même pas réagir. Dans ma tête, j'ai un plan déjà. Il va comprendre par lui-même. Il va chler. Eh mon gars, t'as vu comment il parle là? Il me remenace et tout là. Mais là c'est fini. Là c'est fini. T'as vu là, j'ai la cagoule dans le. Voilà que je te revois plus, mon pote. Voilà, comme ta gueule. Et voilà, arrête de faire le show. Fin de la discussion. Bon, j'avoue, il fait craquer devant Yann. Hein. Mais la même mère que mon avis, il a vraiment pas changé. Hein. Il a toujours mon plan en tête. Et voilà, lui, voilà, je vais lui faire une dinguerie, chez des gens. Hein. Il va, de ça ouf lui. Mais regarde comment il parle, mon gars, wesh. Hey, t'as vu, les gens ils vont faire des vidéos, ils se disent ouais on est tous des lopettes. Wesh, on a parlé grave longtemps, j'ai l'impression qu'ils ont rien compris. Genre là ils. Ça a pas changé dans leur tête, là c'est toujours la guerre, gros. Hey, je décide d'accompagner Jeffo, ça y est. T'inquiète, on va te montrer c'est quoi la lopette. Moi, lopette, ma gueule, j'ai jamais entendu. Je sais pas, j'ai vu ça au Burkina Faso. Putain, voilà, j'ai le seum. De toute façon, je te laisse partir. Vas-y, là, il y a une bébé, elle m'appelle là. Jeffo, ça y est. Oh non, lui, c'est trop. Eh, je le check, je me casse, il parle trop, frère. Avec ma fissure, là. Vas-y. Ouais, bébé, wesh. On se rappelle ça. Vas-y. Ouais, bébé, j'arrive, t'inquiète, bébé, wesh. J'arrive. Bébé, je t'ai déjà dit. Quand je suis au taf, m'appelle pas, bébé. Je t'ai déjà dit, bébé. Bah oui. Bisous. Bon bah du coup c'est terminé, hein. Yann il me raccompagne dans la voiture, je décide de rentrer chez moi
Et quand j'ouvre la voiture. Ouais, cette pédale là. Voilà. Et mes clés. Je les ai oubliées au barbeur. Putain. Là. Il fait beau encore une fois, il fait bon, s'il fait bon, il fait chaud, comme il fait chaud, il fait bon, et comme il y a du bien, il y a du bien. Alors, aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, il fait chaud, il fait beau, donc je prends mon cellulaire pour appeler la Mousseau des îles. Je sais qui je vais appeler. Ah. Allô ? Comment vas-tu ? J'étais posé chez moi et tout, et je reçois un appel. Bref, c'est Spencer. Du coup, il me propose de sortir et tout. Comme j'ai rien à faire, j'accepte. Je vais très bien. Aujourd'hui, il fait bon, il fait chaud. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis posé. Mais c'est nickel tout ça. Bah regarde, je vais te donner une petite adresse. Bien sûr, tu vas venir en bus. Et c'est carré aujourd'hui, on se dit ? Bah vas-y, j'ai rien à faire. C'est nickel. Je t'envoie ça de suite. Allez, bisous sur ta fesse gauche. Et quoi ? C'était soit l'anus, soit la fesse gauche. Oh 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 ! C'est nickel. Je suis posé à la cité, il fait beau, il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait beau. Quand soudain, je vois Spencer. Allô ? Allô ? Je décide de sortir mon cellulaire pour appeler Sherina. Ça dit quoi, mon gars, tranquillou ? Ça dit quoi ? Mon frérot ! Ça dit quoi ? C'est comment ? Tu vas bien ? Donc là, je suis tranquillement chez moi. Mon téléphone sonne. Monsieur Yann, qui décide de revenir dans ma vie, je sais pas pourquoi. J'étais choquée. Ça fait une semaine qu'on se calcule pas. J'ai plus besoin de lui. Il m'appelle comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, en fait ? Bah ouais, pourquoi je m'appelle ? Comment, pourquoi je t'appelle ? T'es une ouf, toi ? Bah, je sais pas. T'as dit que c'était une calculée, non ? Alors, leur histoire est tellement fascinante que j'ai décidé de poser mon chignier sur la muraille, juste derrière moi. Non, tu connais, là, je te rappelle justement pour ça, là. C'est comment ? Comment ça, c'est comment ? Est-ce qu'on peut, on peut se voir, vite fait, histoire de parler un peu ? Ah, c'est maintenant que tu veux me voir, toi ? Ouais. Il est pas trop... Non, j'ai pas envie, hein. Comment t'as pas envie, wesh ? Ouais, tu veux me voir pourquoi ? Je vais te parler vite fait, ouais, tu fais la star, ma gueule. Je vais te parler vite fait, je vais te manger, frère. Sherina, je l'appelle, elle veut faire la tête dure. J'ai envie de te voir. Moi, au fond de moi, j'ai envie de te récupérer. J'ai envie que... Voilà. Mais elle fait la tête dure. Tu veux me parler de quoi ? Est-ce qu'on peut se voir, oui ou non, là, tout de suite, là ? Tu veux juste me voir, hein. Je veux juste te voir. Ouais, me voir, hein, je t'ai manqué. Vas-y, viens, viens, viens. Et du coup, monsieur veut me voir. Alors lui, c'est que quand il veut, tout ça. Au début, je dis non, hein. Je fais la meuf, je dis non, je voulais pas, hein. J'avais la flemme de sortir chez moi. Après, je me dis, bon, il a fait l'effort de m'appeler, je suis pas une meuf méchante, donc bon, je vais accepter. Il va venir devant la maison et on va voir ce qu'il va me dire. Tu dis quoi, mon frérot ? Ah bah, de toute façon, ça tombe bien, je devais me casser. Tu vas où ? Je dois aller aider ma grand-mère à la soulever. À soulever les meubles. Et après, tu fais quoi ? Après, t'inquiète. On se tire au jus, de toute façon. Vas-y, on sort direct. Vas-y, mon gars. Ça tombe bien, je devais aller soulever ma grand-mère... excusez-moi. Aider ma grand-mère pour ses meubles. De base, quand tu me vois, t'es censé sourire. Alors, je vois la Mousseau des îles. Elle vient me voir avec un gros bas. Il flottait, il y avait de l'air dedans, j'avais l'impression. Mais ce n'est pas grave, elle était toujours aussi sublime. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Je vais bien, tu vas aller manger ou... Non mais dis-moi ce que t'avais à me dire. Ah, tout de suite, direct. Bah dis-moi. Bon, je vais te dire ce qu'il y a à te dire. Yann, il continue à parler avec Gérina. Ni une, ni deux, je décide de lui parler directement de Yann.
Bah, il continue à parler avec Sherina. Hier, ils ont fait une petite balade vélo sur les champs. Ouais. Il y a tout en story. Il continue à lui parler. Les deux, c'est en mode bizarre encore. Tu me crois ou je me crois pas? C'est bizarre ce que tu me dis là. Bah regarde, tu sais quoi, en vrai de vrai, appelle Sherina, elle va tout me dire. Je décide de mettre la carotte dans le berger pour que les loups fuient. J'appelle. Appelle-la, elle va vraiment tout me dire. Bah vas-y. Comme ça, je vais arrêter de parler et ce sera du direct. Vas-y. Tu dis. Allô? C'est qui? C'est Cindy. C'est Cindy. C'est qui Cindy? Ouais, mon numéro. Non, t'inquiète, on me l'a passé, mais t'as vu, j'ai des trucs à te demander et tout, et des trucs à dire, ça veut dire il y a moyen. Comment ça, des trucs à me demander? Des trucs, t'inquiète, mais il y a moyen, on se voit ou pas? Mon but est d'éloigner Yann de Cindy pour que je puisse rentrer dans les portes du métro tranquillement. Tu veux parler par rapport à quoi? Je peux pas te dire maintenant, mais vas-y, je te dirai. Vas-y. On verra, hein. Je vais. Bien sûr qu'on verra. Je vais la voir, on verra. Hein. Bien sûr qu'on verra. En tout cas, j'espère que ce que tu m'as dit, c'est fou. Hein. Accompagne-moi les pubs, je vais aller prendre des bananes. Alors, le plan est mis en marche. Moi, je décide d'aller chercher des bananes à côté, car mon grand-père m'a toujours dit quand le singe regarde vers le sommet, c'est qu'il cherche des bananes. Ah là là. Bon, du coup, bah, je marche un peu lentement, je me fais désirer. Et là, je monte dans la voiture de Yann et j'attends de voir ce qu'il va me dire. Il fait chaud, j'ouvre la fenêtre. Ouais. Du coup, je monte dans la voiture, une petite odeur se dégage. Je dis que j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud, mais en fait, c'est parce qu'il y avait une petite odeur. Ça te dit quoi? Bah, on est là, hein. Wesh. Pourquoi tu veux me voir? T'aurais pas pu me parler par téléphone? Mais si, tu sais très bien que quand on parle en tête à tête, il y a une différence avec le téléphone. Ouais. Viens, on va manger. Manger où? T'as faim? Bah oui. Viens, on va manger, c'est tout. Mais. Non mais, Yann, il cale. Ah, franchement, vraiment pas crédible, mec. Alors là, franchement, j'étais en fou rire. Je connais, j'avais une petite faim en même temps. Ouais, ça, ouais, tu sais que j'aime les tacos, hein. Bah, je sais que t'aimes les tacos, frère. C'est pour ça que tu m'emmènes là. Ah oui, mon ami. T'as repardonné, hein. Rentre. Merci. Tu vas prendre quoi? Un Bolt. Et toi? Non, bah, carrément, attends, je vais me laver les mains, j'arrive. Bah. Je vais me laver les mains, vite fait. Ok. Toi aussi, tu dis même pas Bismillah, tu te laves même pas les mains, tu dis des trucs chelous, ma gueule. Je finis de me laver les mains. Et là, à table. Du coup, pourquoi tu m'as dit venir? Je voulais me voir après. Bah attends, vite fait, je vais faire un petit truc. Là, juste là, là. Un petit truc. Hein? Tu vas faire quoi, là? Là, juste là, t'inquiète. T'inquiète, je vais faire un petit truc. Tu vas pas manger un taco, faut présenter aux gens, wesh. Non. Attends, je vais faire une petite vidéo, vite fait, un petit TikTok, là. Donc là, on arrive au tacos et Monsieur Yann décide de faire sa dégustation sur TikTok de son bols. Donc je décide de m'incruster avec lui. Bon, la famille, comme d'hab, vous savez déjà. Hello. Hello quoi? Tacos balls. On va goûter ça. Hein. Y a quoi dedans déjà? Attends, vas-y. Oui. Tacos balls. Du coup, bah, je décide de piquer un peu dans le bols de Yann, quoi. Ça m'arrange. On va goûter, on va taper ça vite fait pour voir si c'est bon. Hein. Ouais. C'est bon. Ramène ma canette qu'ils ont donnée avec. Bien évidemment, quand tu manges, je donne à boire. Fanta. Je vais regoûter. Attends, moi aussi, je regoute vite fait. C'est vrai que c'est très bon. Je crois que j'ai un poulet mariné. Tu m'as pardonné? Poulet mariné? Franchement, les gars, trop bon. C'est succulent. Dites-moi, c'est quoi votre viande préférée? Sandmi. Et du coup, une fois la vidéo finie, j'attends de voir ce que Yann va me dire. Tu vas me dire pourquoi tu voulais voir. Attends, je vais goûter pour toi. Non mais attends, je voulais goûter en première, c'est mon boss en fait. C'est bon?
Ça pue sa mère. T'es malade ou quoi? C'est bien caché. C'était caché, c'est claqué ma gueule. Pourquoi? C'est comme avec la vache. Rien. Pourquoi? Tu veux me voir pour ça là? Bah pour savoir c'est comment ma gueule, moi, tu connais. Avec Cindy, c'est passé ce qui s'est passé et c'est fini entre nous, frère. Et du coup, là, c'est bon, tu reviens vers moi. Je reviens pas vers toi, c'est juste que... Vas-y, frère. Reviens pas. Si je revenais vers toi, je t'aurais même pas fait manger un bol. Je t'aurais mis sur un bateau mouche. Bon, là, il commence à me parler de bateau mouche. Bon, je suis un peu contente parce qu'il propose pas ça à tout le monde, quoi. C'est pas un mec comme ça, lui. Là, tu me parles de trucs. Bateau mouche, quoi, là. Bateau mouche, vrai truc. Là, on est au tacos, frère. Vas-y, arrête, frère. Donc là, t'es juste venu pour me dire ça. Non, je vais. Tu vois quoi? T'es pas français, moi je suis pas venu. Je vais me poser. Hein? Je vais te poser. Enfin, Yann me dit qu'il veut se poser. Le moment tant attendu. Poser genre au quartier. Genre à l'abbaye là. Ah, t'es même pas marrante, voilà, carrément. Et je vais changer de place, voilà. Vas-y là, reste là. Ah, t'es même pas marrant. Eh, remets-toi là. Remets-toi là. Tu vas te poser pourquoi avec qui? Viens, viens. Ma tête est chaude. Bon, on va pas aller dehors. Mais... Viens. Non. Là, il s'est passé trop de dingueries auparavant. Là, j'ai décidé de parler sérieux, là. Donc, du coup, on sort dehors. Ah, c'est trop bon. Si t'es là devant moi, c'est parce que je vous... Je... Tu bégayes maintenant devant moi, toi? La sauce... Elle est en train de monter. Depuis quand tu bégayes devant moi? Si t'es là devant moi, c'est pour qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Pardon? C'est toi et moi. Qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a plus de toi et moi. Il y a toi, moi, Orlan. Pourquoi elle parle de Orlan? Ouais, je suis avec toi là, frérot. Là, c'est moi. Là, je te veux à l'instant. Pourquoi tu me parles d'Orlan là? Je crois qu'Yann, il a un peu oublié que Diefo et moi, on était potes. Et du coup, bah, Diefo, l'autre jour, il m'a appelé. Et il m'a tout balancé par rapport à Orlan et Yann. Il t'a dit quoi? Tu fais quoi, lâche, Yann? Mais t'en as pris pour... Bref, y'a quoi? Pourquoi t'es venu me parler? C'est pour ça, là, pour te poser? Tu veux te poser avec moi? Je vais pas me poser avec toi, je vais juste faire les choses bien. Dans quel but? De plus tard, pourquoi pas, voir à l'avenir. Non. Bon, devant lui, je fais la meuf froide qui dit non, ça, mais au fond de moi, comment je suis contente? Trop contente. Comment non? Hein? En fait, tu fais les bêtises et après, tu reviens vers moi, c'est ça? Ma gueule. Vas-y, vas-y. Mange, c'est pas grave. Mange. T'as vu la lame? Je dépoche chez toi et on n'en parle plus, frère. Encore une fois, Chirina, elle est pas sérieuse, elle prend toi la rigolade. Elle se décide de vite manger, après, je la dépose et fin, frère. Salem. Mange. Quand t'as fini, je te dépose chez toi. Vas-y, carré. Après, on revient pas m'appeler, hein. Mais vas-y. Je te raconte. Ah, ta gueule qui pue. Sinon, c'est bon, hein. Mmh. Ah, j'ai du rechef, il m'en met un deuxième, carrément, là. Bon, on connaît le personnage, hein. C'est Yann, quand même, qui parle et qui n'agit pas. Donc là, en vrai, ses paroles, je m'en fous un peu. J'attends juste qu'il fasse les actes. Ça dit quoi? On est là et toi? Ça va Cindy? Ça va et toi? Bah tranquille, tu connais, on est là. Du coup, bah j'ai retrouvé Shirena comme on devait parler et j'ai hâte de voir comment elle va réagir. Pourquoi tu voulais me parler? T'es bizarre hein. Du coup, je retrouve madame Cindy, la Cindy, et j'attends de voir ce qu'elle va me dire parce que je trouve pas ça normal qu'elle veuille me voir en fait. Parce que j'avais 2-3 trucs à te demander, à dire en vrai. Truc important. Par rapport à quoi? À ton avis. J'entends juste le mot, je dois te parler par rapport à quelque chose. Je sais direct que c'est Yann. Je me dis putain, mais qu'est-ce que je vais apprendre encore? Oh non, vas-y, dis-moi. En gros, je sais pas si t'es au courant, mais déjà, est-ce que vous et lui, toi et lui, vous, là, vous continuez à vous parler ou pas? Bah oui, enfin, c'est Yann quoi, donc ouais. En mode, c'est logique, moi je savais pas parce non, que t'as vu, ton gars m'a fait du rentre dedans. Quand? Ça fait même pas 2 semaines. Il m'a invité à manger, ça. Et après, il m'a invité bateau mouche, ça. Il voulait que. Bateau mouche? Yann qui est parti emmener Cindy manger, qui lui parlait de bateau mouche, alors que moi j'avais le droit à rien de tout ça déjà.
Et même, je sais pas, ça y est, on se parle plus pendant une semaine, tu fais ça dans mon dos, c'est quoi l'intérêt de faire ça en fait? Il est où le respect? Il voulait me dater tout là-bas, oui. C'est juste, il y a eu un imprévu, on est parti manger à côté, mais tu connais. C'est blague. Carrément, il y a un moment dans la chop, c'était grave bizarre. Hein. Mais vous cherchez quoi en fait, vous deux là? C'est quoi votre souci? Et en fait, ce qui me déplaît, c'est que Cindy, elle me parle sur un ton en mode elle est fière d'elle. Donc toi, t'es la maîtresse et t'es fière de toi? Elle sait très bien que Yann et moi, c'est A. Elle me dit ça en mode fière. Je sais pas, elle veut quoi elle? Du coup, je m'énerve contre elle. Je m'énerve contre elle. Ouais, tu me dis. Lui, il m'a appelé il y a même pas 4 jours là. Il m'a fait ses déclarations, comme d'habitude. 4 jours? Toi, tu savais très bien, toi, de toute façon, tu fais semblant. Mais vous êtes moi, toutes comme ça, les attends, filles là. Mais non, attends. Non, parce que toutes les filles, vous êtes comme ça, vous savez très bien qu'il y en a moi. Non, mais attends. Non, vous savez très bien qu'il y en a moi la situation. Il me dit, toi et lui, c'est fini. Tu arrête, fais quoi? Arrête, tu fais la avec lui, c'est un manipulateur. En vrai de vrai, moi, je te dois rien. Hein. Non, il mais va jamais comprendre. Lui. Mais en vrai de vrai, toi et moi, on se doit rien. On se doit rien, mais tu sais très bien le truc. Quand tu sais qu'un mec, il a déjà une meuf. Une meuf, on n'est pas ensemble, hein, mais c'est très bien commencer vous avec n'êtes la pas meuf. Ensemble. Non, mais en fait, déjà, tu juges pas, tu connais pas, t'as eu, tu parles pas quand tu sais pas. De deux, tu mais sais très grande, bien comment c'est ça se passe. Mec, tu sais très bien comment ça se passe. Mais quel chien ton chien, c'est toi, tu vas se faire un chien sur lui, wesh. Mais ma gueule, tiens ton chien. Toi, t'as un chien sur lui. Moi, je suis désolée, on voit pas, t'es bien sur mon tapis, c'est sur moi, tu viens crier. Mais va crier sur ton chien. T'es clairement venu me parler pour me mettre contre Yann. Tu crois que, ouais, en mode, tu l'as pour toi toute seule, t'essayes de me dégoûter lui, je sais pas c'est quoi ton plan, mais en tout cas, ça marchera pas avec moi, tu vois. En tout cas. Lui, ok, c'est un problème, mais toi, tu sais très bien la situation. T'acceptes? À partir de moi, je vais pas te catégoriser. En fait, moi, j'ai pas compris pourquoi tu meufs. Commences à hausser le ton. Mais parce que moi. Tu sais très bien la situation, tu dis c'est lui, il est en chasse. Moi, t'as vu, moi, je t'ai dit c'est un truc, pas moi mieux. Parce que t'as vu, après, le reste, ça sera pas mon souci, hein, je te cache pas. Alors, la meuf, franchement, zéro crédibilité. Déjà, elle ose me répondre en faisant des menaces. Elle me dit quoi? Pas moi mieux, sinon après, c'est pas mon souci. Mais c'est quoi ces menaces là? Je vais parler et y'a quoi? C'est quoi cette menace là? C'est pas une menace mieux, mais devant je sais pas. Ça fait même pas peur. Je te dis juste la vérité. J'essaie pas de te faire peur après. Yann, il sent pas les couilles. Je pense que. On se doit rien, c'est-à-dire que si je dois foncer, je vais foncer. Yann, il sent pas les couilles de toi, il veut juste me rendre jaloux. C'est bon quoi. Ah ouais, ça doit être ça. Je te dis ça. Parce que quand tous les soirs, il m'envoie des textes là, c'est pas ton prénom qui est dans le texte. Quel texte? Tout le temps, il te fait des jeux. Pose-toi des questions. Tout le temps, il te fait des jeux, oui. De quoi? Un samedi avec une Dismail, un samedi. Mais c'est toi la Dismail, c'est toi la Dismail. Mais de quoi déjà? Je suis noire. Regarde, tu. La poteuse, elle se fait tromper depuis 2018, elle est encore dans le bateau. Au bout d'un moment, faut quitter le navire, moussaillon. Ouais, au revoir, genre, c'est bon. Elle est là, wesh, c'est bon, tranquille. Eh, ça sert à rien de me crier dessus. Ouais, tu savais très bien, c'est bon. En fait, ta mère, tu sais très bien. Et après, tu viens te plaindre auprès de moi. Tiens ton chien, juste. Donc maintenant, juste. Eh, il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve. Ça trouve bien, là, tu viens en vrai. Viens, on essaie de lui faire un truc, non? Là, d'un coup, j'ai une idée. En vrai, on peut pas se disputer pour un bouc, genre, même si elle me saoule, vas-y. Mais c'est lui, en vrai, le problème. C'est-à-dire, là, je décide de lui faire un get-get. Eh, hey, vas-y, eh, hey, t'as vu, ça sert à rien, on chauffe et tout. Viens, en vrai, de vrai, on lui fait un truc, on l'attrape, genre. On lui fait un get-get. Guet-apens? Bah ouais, c'est pas normal, nous, on est là, on chauffe, alors que le poteau, il est tranquille. Mais j'ai jamais fait ça, moi. T'inquiète, on va gérer ça. Nous, on est dans ça, t'inquiète pas. On n'est pas dans des films, en fait. T'inquiète pas. Vas-y. La petite sorcière me propose de faire un guet-apens. Un guet-apens. Moi, c'est pas du tout mon truc, hein. J'aime pas les trucs de piège, tout ça. Mais je me dis, pourquoi pas. Mais tu veux faire ça comment? Où? À quelle heure? T'as vu, de toute manière, il va pas tarder à m'appeler parce que de base, lui et moi, on devait se pète. C'est une blague. En parlant du loup. Il n'y a même pas enregistré son nom. Oui, au parleur, il rentre dans son lit. Mais MDR, je vois quoi sur le téléphone de Cindy? Un appel de Yann. J'attends qu'elle réponde même. Allô? Allô? Ça dit quoi? On est là et toi? On est là. Tu dis quoi là? T'es où? Bah là, carrément, je suis en train de me balader en vite fait. Fais boule. Ah ouais, t'es où, wesh? Là, je suis vers. Je suis à Créteil, là. Ah ouais, tu dis quoi? Plaisant ou quoi aujourd'hui là? Bien sûr. Tu m'as manqué un peu là, tu prends même plus de mes nouvelles, frère. Non, mais tu connais, c'est parce que j'étais un peu occupé ces temps-ci et tout. Tu m'as pas oublié, hein. Je t'ai pas oublié, frère, je pourrais pas t'oublier. Oh, la télé vraiment manqué, ma gueule. J'ai envie de pleurer, en fait. Comment ça, télé, elle m'a manqué? Devant Dieu, là, je suis pas bien, je commence à être pas bien. Je réalise. T'as suivi la dernière fois, hein?
podcast et tout. Elle calcule pas, c'est une blague parce que tu... Ouais, je sais pas ce que tu dis. Tu dis quoi là? Bah. Bonjour, moi, des manches à dire, non? Bah, vas-y, carrière. En vrai, je suis un tout petit peu gêné pour elle, genre un tout petit peu. C'est pas mon dos, bref. Vas-y, on fait ça. Bah. Vas-y. Mais attends. Je suis là de même pas à 5 minutes. Vas-y, carré. Vas-y. Tu vois, là, je suis dans ma voiture. Vas-y. T'as fait faire au dab là. Vous êtes embrassé? Non. Bah, c'est pro, il t'a dit, lève ton manqué. On s'est pas embrassé. Mais ouais, eh, vas-y, viens, on y va. Chut. Ouais, elle me demande si je l'ai embrassé. Mais ma copine, est-ce que ça te regarde maintenant? Si toi, t'as déjà fité avec lui, c'est bon, le feat, il date maintenant. Il y a des nouveaux featuring en fait maintenant. Du coup, Yann, il arrive. En vrai, je suis un peu tendu par rapport au plan et tout, mais focus. Hey, ma chérie. Ça va? On se check, on fait quoi? Bisous. Oui, oui, les gars, oui. Yeke. Ça dit quoi? Ça va et toi? Non, mais non. Ça fait longtemps, c'est pas vu là. Ouais. Ça date. Ouais. T'es pas content de me revoir, Germain? Bah si, je suis grave content. Bah, je sais pas, bouge un carrément, peu, frère. Carrément, je suis grave content. Bah, dès que t'es grave content, frère. Bah ouais. C'est comment? Ah, t'inquiète. Tu m'as rappelé de message de rien, c'est quoi? Je t'aime mal, galoche. C'est quoi? On s'égale, je t'aime. Tu veux qu'on... Fais-moi un bisou. C'est déjà bisou. Fait, c'est bon. Non, fais un petit bisou là. C'est déjà fait. Yeah, putain, hey, j'aime bien ton... Attends, moi je t'ai fait un petit bisou sur la rue, tu connais. Ah là, je suis trop en manque d'affection. Là, j'ai décidé de lui faire plein de bisous, c'est vraiment... Ah, non, vraiment, putain, il est... Et là, je me retourne.